Et en fait, le Tibet, c'est important pour moi en premier lieu parce que j'ai toujours adoré voyager pour trouver de l'espace. Peut-être trouver aussi seul. Et le Tibet, c'est en fait l'idéal parce que c'est très loin. Et le fait de faire le voyage aussi, c'est une découverte intérieure, donc c'est aussi un voyage intérieur. Et puis, en voyageant, on rencontre aussi le bouddhisme tibétain, qui est une technique en fait pour aider à une découverte intérieure encore plus profonde. Et si ces techniques disparaissent, et ben c'est l'humanité en fait, et son développement qui disparaît aussi.